Salut à tous les petits amis, c'est Arius, et aujourd'hui on va se retrouver pour un truc original sur ma chaîne, un truc que j'ai jamais fait, qui a jamais été vu sur YouTube. On va ouvrir des boosters de Yu-Gi-Oh! Et ouais, j'ai trouvé ça dans un Toys R Us, 10 boosters de 3 cartes Yu-Gi-Oh! Pack étoile 2014, c'est super génial. Alors tout de suite, on va s'empresser de les ouvrir, je suis super excité. Hop. Alors je les ouvre en off et là vous avez un superbe fond bleu dégueulasse qui est en fait mon mur de ma chambre. Et on y va et je les ouvre. Et voilà ce qu'on va avoir pour nous tous dans cette vidéo. Et plein de boosters. Et ouais, et alors des boosters de 3 cartes. Ça va être super génial. J'en ai pris deux, des comme ça. Et j'en ai déjà ouvert un en entier. Et voilà ce que j'ai déjà comme carte là-dedans. Des cartes super épaisses. Un bon petit paquet pour faire un début de deck. Alors tout de suite, on va s'empresser d'ouvrir le premier. Oh regarde, c'est super génial. J'espère que vous appréciez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si jamais ça vous fait plaisir. En plus, c'est marqué dessus. C'est des premières éditions. Et ouais mon gars. Alors on y va. Ah, je suis super excité. Allez, on y va. Allez, la première carte. Foreuse Jumbo. Ah, elle est super cette carte. 1800 d'attaque et 100 de défense. Un géant Go-Go-Go. Oh, il est super beau. 2000 d'attaque. Et un monstre 4 étoiles. Ça veut dire que je peux le poser directement. Et la dernière carte. Oh, la carte, je sais pas si vous la voyez, mais elle brille. C'est super beau. Gulfaxi bête nordique. Ouah, en plus, c'est un synthoniseur. Enfin, ça me permettra d'invoquer des monstres synchroniques. À 1600 d'attaque et 1000 de défense. Oh là là, c'est super bien. Oh, je vous dis pas les effets parce qu'il va falloir que je fasse une description. C'est super chiant. Mais ne vous en faites pas. Ah là là. Allez, le deuxième paquet. C'est super excitant. Alors on a ouah, une carte magique, c'est super. Lumière brille, étoile brille. Ouah, elle est super belle. Oh là, alors là, attention, nous avons un monstre avec beaucoup trop d'étoiles. Alors on va compter ensemble. 3, 6, 6, 9, un monstre 12 étoiles. 5000 d'attaque et 5000 de défense. Alors Dragon de la vérité corrompue, incroyable. Je vais regarder vite fait la description. Ah, ni invocable normalement, ni posable, uniquement invocable spécialement par son propre effet, non invocable spécialement autrement. Ah là, si vous posez ce monstre, ah je sens que vous allez gagner. Et là, oh là là, déjà le double, mais regardez, celle-là est légèrement différente. Je vais reprendre l'autre carte, vous voyez. Là, j'ai la carte de tout à l'heure, et celle-là, c'est la carte que j'ai tirée. Et je sais pas si vous voyez bien, mais elle brille un petit peu. Elle est en holographique, donc déjà le premier double. Mais je vais la remplacer. Donc celle-là, je la vire. Ah, si jamais ça vous plaît et que vous voulez mes doubles, je vais faire un petit concours dans la description de la vidéo et sur Twitter. Hein, le Twitter @Raelus1. Si jamais vous voulez suivre l'actualité. Allez, le troisième. Ah, c'est excitant. Ah, j'aimerais vraiment trouver un autre monstre comme celui de tout à l'heure. Ah, le paquet qui s'en va pas. Ah là, désolé les petits amis, j'ai eu un empêchement. Donc on va découvrir tout de suite les trois cartes de ce troisième booster. Alors là, vous voyez, ah, c'est une voiture carte D. Ah, c'est trop bien. C'est un monstre terre, 800 attaques mais 400 de défense. Ah, ça doit sans doute avoir un effet incroyable. Et là, regardez, un guerrier Dololo niveau 6. Waouh, celui-là, il doit être super fort. 2300 d'attaque et 900 de défense. Et là, la dernière carte. Waouh, et encore un double, mais regardez celle-là, elle brille, elle est en holographique, donc je vais les garder. Et l'autre, et eh ben je pense que je vais faire un échange avec. Waouh, c'est super bien. Allez, déjà, il reste encore pas mal de trucs, regardez, il en reste encore 7, 7 boosters incroyables. Allez, on va ouvrir le troisième. Ah, c'est super excitant. Ah, si jamais vous aimez, ah, mettez un petit pouce bleu. Et mettez-moi aussi en commentaire
Si vous voulez que j'en fasse d'autres, des unboxings de cartes. Waouh! Alors là, ça commence super bien. Là, c'est génial. On a vraiment de la chance d'avoir ça aujourd'hui. Un monstre XYZ tiré des dernières règles de Yu-Gi-Oh! Exal. Et là, regardez, je sais pas si vous voyez, mais je sens qu'on a trois monstres XYZ. C'est la meilleure booster du monde. Alors là, on a un riposteur Boonzer Photon. 2700 attaques, 2000 défense. Un dragon tonnerre final qui est aussi XYZ de niveau 8. De niveau 8, ah là là, deux monstres normaux de niveau 8 pour invoquer. Et le dernier, Mélodie, le génie de la trompette, en brillant. Super bien, c'est incroyable. En fait, il faut que je le mette vers la lumière pour que vous voyez que c'est brillant. Un niveau 3, ah, il est un petit peu faible, mais il brille. Et ça, c'est super. Ça doit être le meilleur booster que j'ai eu jusqu'ici. Ah, je suis trop content. Allez, en espérant que les autres boosters, eh ben, ils m'apportent la même chance. Allez, j'y crois à mort, les petits amis. Alors là, on a un requin marteau. Un petit monstre niveau 4. 1700 d'attaque et 1500 de défense. Ah, c'est pas mal comme monstre. Un quatrième monstre XYZ, Papy, voilà, Papilopérativo Photon, voilà, un monstre niveau 4, c'est super cool, 2100 d'attaque et 1800 de défense. Et là, waouh, elle brille, ah, ça doit être les mêmes, Valkyrie Ascendant Nordique, un monstre syntoniseur, ah, c'est trop cool. Un niveau 2, je crois j'ai déjà vu qu'il fallait qu'il y avait un monstre syntonique niveau 8. Et ça c'est super cool. Ah, une autre main incroyable. Allez, je crois qu'on est à la moitié, c'est déjà le cinquième que j'ouvre. Ah non, c'est le sixième. Ah là là, ça passe tellement vite. Alors là, on a une carte magique incroyable. Un Gagaga clair qui détruit un monstre. Si je possède un monstre Gagaga sur mon terrain, ah, c'est génial. Waouh, un sceptre du bon. Une carte magique d'équipement, comme le petit symbole il indique. Ça me fait gagner une attaque équivalente au niveau du monstre x 100. Waouh, et là, j'ai une carte numéro. Une carte numéro incroyable, le numéro 32, le requin draconien. Ah, les cartes numéro, c'est trop bien. Dans la série, ils disent qu'il y en a une cinquantaine. Et ça, c'est super cool. Ah, je suis trop content. 2800 attaques et 2100 de défense. Ah, c'est génial. Et on est déjà presque aux 3 quarts avec le 7ème booster actuellement. Ah, cette vidéo passe trop vite. Ah, s'il y a des amateurs de Yu-Gi-Oh! Qui prennent contact avec moi, on fera des petits matchs par Skype. Je vous donnerai mon Skype personnel si vous voulez. Ce sera une exclue. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un chevalier Tatsuke de niveau 4. Oh, et pas très très fort en défense, mais en attaque, il défonce. Un lanceur photon avec 2100 d'attaque. Waouh, il est trop bien. Ni invocable normalement, ni posable. Ah là là. Ou être invoqué spécialement depuis ma main en tant que monstre que je ne contrôle pas. Ah, c'est pas de chance. Et là, voilà, encore un monstre XYZ. C'est incroyable, les petits amis, aujourd'hui. Malestroke, le génie de la symphonie. C'est super génial, un monstre de niveau 4. Avec 1800 d'attaque et 2300 de défense. Alors, en défense, il doit démonter du steak. Ah, et la suite, à tout de suite. Ah, je suis trop content. Alors pour cette main, ouah, direct un monstre XYZ, Tetempo, le génie de la batterie. Et moi je dis avec les autres cartes que j'ai eues. Oh, je viens de me spoiler la dernière carte, c'est une carte fusion parce qu'elle est violette. Mais avec les cartes que j'ai eues, ça doit être une collection avec des monstres sur le thème de la musique. Un niveau 4 avec 1700 attaques et 1000 de défense. En une carte de magie raisonnement qui permettra à mon adversaire de déclarer un monstre, un niveau d'un de ces monstres. C'est trop bien.
Waouh, et là, regardez, il y a un monstre fusion incroyable. Alors, c'est un lézard jumeau photon de niveau 6 avec 2400 attaques et 1000 de défense. Là, c'est trop cool. Donc, je rappelle hein, pour ceux qui connaissent pas, il faut utiliser la carte polymérisation et vos monstres que vous voulez fusionner pour sortir une carte de monstre fusion. Alors on va regarder ce qu'il faut. Deux monstres photons, photomorphtronique exclus. Ah c'est pas de chance. Ah si je sacrifie cette carte, je peux invoquer spécialement les deux monstres de matériel fusion que j'ai utilisé pour l'invocation. C'est trop bien. Ah et là c'est le 9e, c'est l'avant-dernier. Ah, je suis trop content, j'ai trop des bonnes cartes. Pour l'instant, j'ai que deux doubles, donc c'est cool. Et là, on a un monstre, il est trop beau. Et si vous voyez bien, regardez. Ah, le focus, il est dégueulasse. Mais en attaque et en défense, il y a des points d'interrogation, il s'appelle Matt. Ah, c'est un monstre de niveau 12, ça. 1, 2, 3, 6. Ouais, c'est un monstre de niveau 10 et c'est une carte elfe. Alors, ne peut être invoqué normalement ni posable. Waouh, trop de descriptions, trop de textes. C'est un monstre qui doit péter sa mère. Waouh, et là j'ai une carte piège. C'est la première carte piège que j'ai. L'effet XYZ que je peux invoquer, enfin que je peux utiliser lorsque j'invoque un monstre par XYZ. Je peux cibler une carte sur le terrain n'importe laquelle, la détruire, c'est trop cool. Waouh, et là j'ai un monstre unicorne. Lumière ZW lance une licorne qui peut servir de carte d'équipement sur le numéro C39 rayon utopique. Alors dans l'animé, rayon utopique c'est une carte numéro qui est aussi un équipement pour le monstre numéro 39 guerrier utopique. C'est trop cool. Et là les petits amis, c'est le dernier booster. Ah j'espère que là j'aurai une main super géniale. Allez, j'y crois à mort. Ça va être trop cool. Allez. Et là, on va les retourner une par une. Ah, le plastique, il veut pas s'enlever. Ah là là. Allez, voilà. Alors là, on va y aller à la surprise. Alors, en premier, on a... Alors, je les mets bien. On a, attention, ça va aller vite. Hop, un marchand ésotérique. Ouais, c'est une petite carte insecte. Et il a un effet flip. Alors les effets flip, c'est quand vous posez votre monstre en défense face cachée pendant un tour. Et si votre adversaire n'attaque pas, vous pouvez l'invoquer. C'est un effet flip. Et enfin, c'est une invocation flip. Et là, l'effet, eh ben, il est activé. Du coup, je peux dévoiler des cartes au-dessus de mon deck jusqu'à dévoiler une carte magie piège. Et je peux ajouter la carte à ma main et envoyer les autres cartes en restant au cimetière. Alors ça, c'est les techniques pour les monstres qui gagne des points d'attaque et de défense en fonction des cartes dans le cimetière, c'est trop bien. Là on a quoi? Waouh! On a une autre carte numéro. On a le numéro 7, ligne de la chance, qui ressemble un petit peu à l'insecte de Earthworm Jim. C'est trop cool. Et c'est quand même un monstre de niveau 7, c'est drôle aussi. Alors il a un max d'effets, et il faut 3 monstres de niveau 7 pour l'invoquer. Et là, la dernière carte. Ah, je sais pas ce que c'est, je vais essayer de voir un petit bout, vite fait. Ah, je crois que c'est une carte monstre. Ah, c'est un Garnagagaga. Ah, c'est trop beau. Ah, j'aime beaucoup ça. Bon, bah, les petits amis, c'est déjà fini pour ces ouvertures de cartes de Yu-Gi-Oh! Ah là là, je suis trop content d'avoir fait ça en votre compagnie. Alors, on a eu masse de cartes incroyables. Ah, c'est super cool, regardez la main qu'on a. Ah, et puis j'ai que deux doubles, c'est super génial. Oh, la main de dingue avec les trois monstres XYZ. C'est trop bien. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Et sur ce, eh ben, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine.